I will be found, you know, people will know that I'm completely innocent. I've never carried a firearm. I don't own a firearm. I would never have Jennifer in no position where I'm holding a gun. I have professional security, and it's just a terrible situation. And I want to thank everybody for their prayers and support. Salut, c'est Diangina d'Interlude Hip Hop Classique. J'espère que vous allez tous bien. On avait commencé une série sur le jour où Puff Daddy et Jennifer Lopez ont pris part à une fusillade dans un club à New York. Et bien tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le premier volet. Pour toutes celles qui prennent la série en cours, je vous invite à revenir à l'épisode précédent, facilement trouvable sur YouTube ou sur une de nos playlists, tout simplement. Donc je ne veux pas revenir sur tout ce que j'avais déjà dit précédemment, mais en quelques mots, Puff Daddy, Jennifer Lopez et Shine viennent d'arriver en club. Ils ont été déposés par le chauffeur de Puff, à savoir Fenderson. Ils ont été rejoints par Wolf, le garde du corps de Puff, et ils ont deux flingues planquées sur eux. Ils entrent dans le club, on est dans la nuit du 26 au 27 décembre 1999. Allez, on reprend. Peu après 2h du matin, cette nuit du dimanche à lundi, Puff Daddy et Jennifer Lopez se disent qu'ils en ont assez vu. Ok, vas-y, viens, on bouge, lâche Puff. Stop. C'est à ce stade-là de mon histoire que les versions divergent. La première version de cette histoire veut que Puffy ait exigé à ce qu'on lui dégage le chemin afin qu'il puisse passer avec J-Lo pour rejoindre la sortie. Mais que les clubbeurs étant trop occupés à danser, personne ne lui aurait prêté attention. Alors pour faire réagir la foule, il aurait fait quelque chose de vraiment respectueux pour le coup, puisqu'il aurait sorti une liasse de billets de sa poche qu'il aurait balancée en l'air. Pour qu'en allant ramasser les billets, les gens tout simplement se dispersent. Le souci, c'est que dans le mouvement de foule, des personnes auraient accidentellement bousculé un voyou de Brooklyn présent dans le public, lui faisant renverser son verre. Ce dealer de drogue, c'est un mec qui s'appelle Matthew Allen, plus connu dans la rue sous le nom de Scar. D'ailleurs, Marquerie dans son livre revient sur cette version des faits justement. Alors qu'il quittait le club, Puff s'attendait à ce que la foule s'écarte comme la mer rouge devant Moïse. Le problème était que les fêtards étaient là pour s'amuser et pas pour observer une star. Alors pour obtenir l'attention des gens, Puff, qui avait à peu près 10 000 dollars dans sa poche, a commencé à jeter des billets de 100 dollars en l'air. La deuxième version des faits veut que Puffy ait accidentellement renversé son verre sur ce même voyou de Brooklyn se dénommé Scar. Que de là une altercation verbale se soit engagée entre les deux. Et dans cette version des faits, ce serait donc Scar qui aurait balancé une liasse de billets au pied de Diddy. Alors, je vous laisserai clairement choisir la version des faits qui vous conviendra le plus. Mais dans tous les cas, la conclusion reste la même. Puisque un verre de trop ou un mot de travers en plus, et l'un des protagonistes a sorti son jouet. Naturellement, le camp adverse a répliqué. Des coups de feu sont tirés, d'abord au plafond, ensuite à l'horizontale. 9 témoins sont formels. On a vu Shine son 9 mm au poing. Deux mecs sont fauchés dans leur fuite. Ils ont été touchés à l'épaule. Une meuf s'écroule, elle a été touchée en pleine face. Elle s'appelle Natania Ruben. D'ailleurs, un article du 27 décembre 1999 paru sur le site de MTV News précisait justement les choses. Trois personnes ont été touchées par arme à feu lors de l'incident Club New York sur la 43e rue. Natania Ruben, 29 ans, a été la plus sérieusement blessée d'après la police. Elle a été touchée par balle au visage et admise à l'hôpital Saint-Vincent de Manhattan dans un état stable. Les deux autres victimes, Robert Thompson, 39 ans, et Julius Jones, 27 ans, ont été touchées à l'épaule. Jones est hospitalisé à Saint-Vincent dans un état stable. Thompson, quant à lui, a refusé tout traitement médical. Dans la cohue, tout le monde décampe. Une meuf est tombée sur Diddy. Elle aura un rôle crucial dans la suite de mon histoire, mais je reviendrai un petit peu plus tard sur elle. Puffy se relève, il se retourne, sa copine Jennifer Lopez n'est plus là. Sur le parking, tout le monde prend deux minutes histoire de retrouver les personnes avec lesquelles il est venu. Diddy retrouve Jennifer, les deux s'embarquent dans une voiture, le même SUV qui les avait déposés à l'arrivée,
et quelques minutes plus tard, ce sera le début d'une course-poursuite avec la police. Fenderson, le chauffeur, est au volant. Wolf, le garde du corps, est assis à l'avant, siège passager. Et Puff Daddy et Jennifer Lopez ont tous les deux grimpé à l'arrière. « Démarre, vite, vite, vite !» gueule Didi. Le chauffeur démarre en trombe, mais les premiers flics arrivent. Et à sa sortie du club, il peint Shine le calibre encore fumant. D'ailleurs, Marquery dans son livre reviendra sur cette scène justement en disant « La police est arrivée sur place alors que Shine sortait à peine du club. Et là, il s'est fait choper. Après qu'il se soit rendu, les policiers ont extrait une arme cachée sous sa ceinture. » Quant à Didi et toute la clique, des clients du club indiquent du doigt aux flics qui viennent de partir. Là, 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 dans cette direction. Une voiture de police se lance immédiatement à leur trousse. Dans leur fuite, un témoin indiquera avoir vu la main d'une personne de type noir balancer un flingue par la vitre du véhicule. Au même moment, et sous la pression de Puff et également de Wolf, le garde du corps qui lui indique de tracer sans jamais s'arrêter, Fenderson, le chauffeur, va brûler une dizaine de feux rouges. Le truc, c'est qu'il y avait déjà une patrouille de police à leurs fesses et certains de leurs collègues avaient commencé à ériger un barrage un petit peu plus loin. Puff, Fenderson et toute la clique roulent et ils s'en rapprochent. C'est à ce moment-là que, selon Fenderson, le chauffeur, Puffy se serait légèrement relevé dans le véhicule et aurait fait sortir un flingue qu'il avait planqué au niveau de sa taille. Il aurait voulu s'en débarrasser, mais le problème, c'est que la voiture de police derrière eux était déjà à portée de vue. C'est donc là que, toujours selon Fenderson, Puffy, avec Wolf, aurait tenté d'ouvrir une trappe secrète qui se trouvait sous l'un des sièges du véhicule. Le souci, c'est que ni Puff ni Wolf ne l'avaient déjà ouvert. Du coup, personne dans la voiture ne savait comment ouvrir cette trappe. D'ailleurs, Marquery, dans son livre, revient un petit peu sur cette scène cocasse en disant justement « Fenderson a vu un pistolet caché sous la ceinture de Puff tandis qu'il se relevait et essayait de s'en débarrasser. » Puff et Wolf essayaient de planquer le flingue dans un compartiment secret du Navigator, mais ils ne savaient pas comment l'ouvrir. Ils forcent. Putain, on n'y arrive pas. Ils relèvent la tête. Trop tard. Ils sont déjà encerclés. Le barrage est juste devant eux. Puff laisse le flingue tomber au niveau de ses pieds, tandis que la police leur intime, par mégaphone, de sortir les mains en l'air. D'après les témoins, il faudra que la police s'y reprenne à plusieurs reprises avant que Puff coopère. Au même moment où on leur lit leurs droits, la police menotte tout le monde, Jello comprise. D'ailleurs, d'après un article du New York Post paru le 9 février 2001, elle dira à la police en pleurs « Ma famille, mes amis, ma carrière, je vais tout perdre !» disait en larmes la belle Latina sur le trottoir de la 8ème avenue où elle avait tenté de se laisser glisser dans une limousine qui attendait. C'est ce qu'a rapporté le sergent Jack Constantinis au New York Post hier. « s'il vous plaît, faites pas ça !» aurait dit celle dont le nouvel album « Jello » est numéro 1 dans le pays selon Constantinis. « Ça dépend pas de moi, y a un pistolet dans la voiture et on sait pas à qui il est », a-t-il ajouté. « Je me sentais mal pour elle, elle s'était retrouvée impliquée dans une sale histoire. » À ce moment, dit-il, il a fait crisser les menottes à ses poignets. Quant à Didi, Marquery dans son livre relate la conversation qu'il aurait eue avec un officier de police sur le lieu de son arrestation justement en disant « Puff a commencé à réfléchir à un moyen de s'en sortir dès son arrestation. Il a demandé à l'agent qui conduisait la voiture de police pourquoi ils étaient arrêtés tous les quatre. Le policier a dit qu'ils étaient tous placés en état d'arrestation parce que personne n'était prêt à reconnaître à qui appartenait l'arme trouvée sous le siège de Wolf. Il se passerait quoi si quelqu'un reconnaissait être le propriétaire de l'arme ? A demandé Puff. Le policier a répondu qu'il verrait ça au commissariat. « Ok. Marché conclu », a rétorqué Puff. « Lorsque nous serons au poste de police, je vous dirai à qui appartient l'arme. » Au poste de police, Jennifer Lopez se fera longuement, très longuement entendre. Et elle prendra clairement position pour Puff en disant « Voilà, moi je l'ai absolument pas vu avec une arme ce soir-là. » Et bien que les policiers se rendront vite compte qu'elle n'avait strictement rien à voir avec toute cette histoire de fusillade, Jennifer Lopez passera tout de même 14 heures en garde à vue avant d'être relâchée.
méconnaissable sur les clichés de sa fiche de police, le Daily News du mardi 28 décembre 1999 fera sa une célèbre en titrant « Sa nuit en enfer ». Puff Daddy lui aura un peu moins de chance. Le LA Times du 28 décembre 1999 titrera sobrement « Puffy arrêté à New York ». Et lors de sa fouille au commissariat, les flics retrouveront dans les poches de Puff Daddy 81 billets de 100$, ce qui pour le coup viendra corroborer la thèse selon laquelle ce serait Puff qui aurait lancé les billets dans le club. Mais lui, à ce stade-là, ces 10 000$, il n'en avait strictement rien à faire. Il n'y avait qu'une seule idée qui trottait dans sa tête, c'était éviter le procès, à tout prix. Et pour ça, il était prêt à concéder beaucoup. C'est pour ça que d'entrée de jeu, au poste de police, il va directement passer à l'attaque, comme d'ailleurs le relate très bien dans son livre Marquerie. Tandis que les trois hommes se trouvaient debout devant le bureau du sergent pour remplir les documents, Puff a commencé à proposer des dessous de table à Wolf et Fenderson. Le sergent s'est mis à regarder lorsque Puff chuchotait quelque chose dans l'oreille de Wolf. Et Wolf s'est mis à secouer la tête de gauche à droite. Puis comme il a compris qu'avec Wolf ça ne passerait pas, il a tenté exactement la même opération avec Fenderson le chauffeur. Je te donnerai 50 000$ et cette bague en diamant si tu dis que le pistolet est à toi, a-t-il dit. Quand il a semblé que Puff relançait incessamment le chauffeur, le sergent est intervenu pour leur demander de se taire. Puis quelques heures après avoir été relâché dans l'attente du procès, Fenderson le chauffeur a compris ce que ses confessions pouvaient impliquer pour lui-même. Puisqu'entre-temps, il a appris que des personnes avaient été sérieusement touchées lors de cette fusillade. Du coup, dès le lendemain, il a décroché son téléphone pour contacter la police en disant qu'il revenait complètement sur ses déclarations, en disant justement « L'arme n'était pas à moi » a-t-il dit. « J'ai menti et je porterai le chapeau pour personne !» Mais Puffy, c'est un tenace, donc deux jours plus tard, il va à nouveau repasser à la charge auprès de Fenderson lors d'un appel téléphonique justement. Le 30 décembre, Puff a appelé le chauffeur pour lui faire une mystérieuse offre que des procureurs ont interprétée comme une autre tentative de corruption. Craignant que ce soit un piège, Fenderson a enregistré l'appel. Je pensais juste à toi, mon pote. Je sais ce que tu traverses et je t'appelle pour dire que je suis là pour toi. Je suis préoccupé. Ça m'a vraiment fait chier ce que tu m'as appris et je veux te mettre à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Que ta famille soit à l'aise. Je veux que tu saches que tout ira bien. Un reportage de Fox News avait réussi à retrouver des extraits de cet enregistrement où on entendait la voix de Puff qui disait... And I'm just gonna make you feel like comfortable, you know what I'm saying? Make your family feel comfortable. Cet appel sera utilisé à charge contre Didi lors du procès. Mais comme vous l'avez entendu, à aucun moment donné, Puff ne s'incrimine de manière explicite. On a chaque fois dans le sous-entendu. Mais dès cet instant-là, Puff a compris qu'il ne tirerait plus rien de Fenderson. La seule vraie question qu'il avait à se poser à son sujet, c'était plutôt à quel point Fenderson pourrait ensuite se retourner contre lui lors du procès. C'est donc là que Puff a décidé d'abattre sa dernière carte en contactant directement Matthew Allen alias Scar, le mec avec qui l'embrouille avait commencé au club, en réitérant cette même opération de pot de vin justement, comme le relate très bien dans son livre Marquerie. Quelques jours plus tard, Puff a contacté Matthew Allen alias Scar, l'homme au bar qui a dit que Puff brandissait une arme. Et il lui a promis de lui donner de l'argent s'il se taisait. « Il y a déjà une accusation de corruption qui pèse sur moi, » dit Puff à Matthew Allen. « Mes gars te mettront bien, mais il faut que tu comprennes que ça peut pas venir de moi directement. Donne ton numéro à mon pote, Wolf. » Mais toutes ces tentatives étaient vaines. Puff voulait éviter le procès et l'an 2000 pointait déjà le bout de son nez. Et si la fin du monde, telle qu'annoncée par certains, n'était pas encore là, pour Puff, c'était tout comme, parce que le procès, lui, il était bien là. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette deuxième partie. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusque-là. Cette histoire est de loin la plus complète que j'ai écrite jusqu'ici. C'est pour ça que, exceptionnellement, je vais la diviser en 4 épisodes. En attendant, n'oubliez pas de nous supporter en likant la vidéo, en vous abonnant à la page et surtout en partageant un max. À ce stade de l'histoire,
Puff Daddy, Jennifer Lopez et Shine ont tous les trois été arrêtés. Et si vous voulez savoir comment est-ce que Puff Daddy va s'en sortir, comment il va sacrifier Shine et pourquoi Puffy et J-Lo se sépareront, on se retrouve très vite pour la suite de cette histoire.